C'est bon? Oui. Je prépare la tendresse pour netaffiches.com avec nul autre que le champion en titre de la FLQ, Marvelous One, Mark Monaco. Mark, à soir, tu as eu un match contre un ancien champion de la FLQ, et l'autre qui a tank. Tes impressions sur ton combo? Dès le début du match, je savais que j'allais sortir gagnant. Il n'y a aucune personne dans cette adversaire-là qui a les capacités techniques de lutte de tout que moi que je possède. L'entraînement, tout. Tank, c'est un beau gars, c'est un beau compétiteur, mais à la fin, c'est moi qui sors gagnant de ce match-là. C'est sûr, à toi, t'as gagné, t'as remporté ton match, t'as gardé ta ceinture. Mais je ne veux pas t'insulter, mais tout le monde ici, je me sens très Barthélémy, a vu qu'il y a une intervention. Il n'y a pas d'intervention. Tout le monde a vu. Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai vu Tank à terre, je l'ai mis à terre. Un, deux, trois, ça finit là. C'est beau. Ça fera. C'est beau. Tank a perdu la soirée, mais penses-tu que Tank va être en mesure quand même de demander un match revanche plus tard dans les prochaines semaines? Parce que tu es prêt à lui donner un match revanche? Moi, je suis prêt à donner à n'importe qui en arrière un shot à ce titre-là. J'ai défendu une soirée après l'autre soirée après l'autre soirée, ici, n'importe où. Je l'ai défendu, je l'ai encore la ceinture ici. Ça veut dire que si Tank te demande un match revanche, tu vas lui donner un match revanche? Je vais lui donner un match revanche pour prouver à tout le monde ici. C'est encore moi le meilleur dans cette fédération-là. C'est bon. Marc, je te remercie d'avoir pris quelques instants de nous accorder une entrevue. Tu as un mot de la fin? Mot de la fin. You're looking at the epitome of perfection.